Moi je l'ai pas alors, c'est iOS 2002. Aujourd'hui c'est le grand jour, nous partons aujourd'hui. Alors vous allez deviner où est-ce qu'on part dans les commentaires avant de commencer cette vidéo. Devinez dans quel pays on va être. Et je vais filmer clé par clé, pas toute la route parce que la première partie elle va quand même durer longtemps. Et toute la route ça va durer à peu près genre 4 ou 5 jours, le grand maximum. Mais je ne vous dis pas où on va exactement parce que pour l'instant, c'est un secret. Vous verrez où est-ce qu'on va en surprise. Dites dans les commentaires ce que vous pensez où on va aller. Et après, vous verrez si vous avez la bonne réponse. Mais attention, si vous commentez dans la vidéo, je ne peux pas vous répondre immédiatement. Allez voir la vidéo juste là, pour savoir pourquoi. Et après, vous reviendrez sur cette vidéo parce qu'il faut que vous soyez au courant de ce qui se passe là. Bon, maintenant, on a fait trop de blabla. Donc je vous dis, je vais filmer un endroit intéressant à chaque fois, et par exemple si on s'arrête ou quelque chose comme ça, ou pour vous donner l'information à propos de la route. Et franchement, je suis excité de faire tout ça. Je vais filmer une partie par partie pour faire une vidéo, et le vlog, je vais le faire chaque épisode par épisode. Je suis vraiment, vraiment excité pour tout ce qui va se passer. Bon, maintenant je coupe et on se retrouve tout à l'heure pour la route. À tout à l'heure les potos.
Hey les amis, j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis vraiment très excité là parce que tout à l'heure, peut-être dans à peu près 2 heures, nous allons passer dans le pays suivant, Italia. On va passer par le tunnel de Fréjus qui est à environ 180 km d'ici. Donc, on va traverser ce tunnel et alors il ferme à 22h30 le tunnel. Là, il est 19h25, on met à peu près 1h30 pour y arriver. Et après, il y a quand même 1400 km à parcourir d'ici parce que on va pas aller à Ancône pour prendre le ferry, mais on va aller tout au sud de l'Italie. On va aller à Brindisi, c'est au sud de Bari, c'est comme vous pouvez voir sur la carte. Alors oui, c'est vraiment loin, mais au moins on aura des ferries avec des cabines. Vous verrez, je vais vous présenter après à l'intérieur. Et je vais vous présenter aussi les moments qu'on fait sur la route, si on en fait, par exemple, si on s'arrête, ça. Donc j'espère que notre voyage va bien se passer sans souci. Je suis vraiment excité de vous faire une vidéo comme ça. Et franchement, pour l'instant, ça s'est passé nickel. Pas de soucis, rien. Donc toute la route s'est filmée avec ma dashcam dans la voiture. Et tout simplement, après je les exporte au montage. Parce que maintenant je peux faire ça avec mon téléphone. Je peux exporter les vidéos de la dashcam avec mon téléphone. Avec une appli Final Cam. Enfin bon, trop de blabla, maintenant vous avez compris. On va passer en Italie dans à peu près 2 heures peut-être. Au moment où je filme. Donc là je vous l'ai dit, il est 19h25. Et peut-être vers 21h on va y arriver peut-être. Bon, en plus ça va être beau avec le coucher du soleil. Bon, merci d'être au courant. On se retrouve tout à l'heure pour la route jusqu'au tunnel du Fréjus. A tout à l'heure les palos.
les amis, comme vous pouvez le voir, nous sommes entrés dans le tunnel du Fréjus et la frontière est à 6 km d'ici. En espérant que notre route va bien se passer. Espérons. Ce tunnel fait 13 km de long pour information. Prix 46 € pour un véhicule normal. Alors comme vous avez vu les pelotons, nous sommes arrêtés à une station service là qui est pas loin. Alors si vous demandez où nous sommes là, je suis actuellement à Parme, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et franchement on a fait pas mal de routes hein. Depuis le sud-est de la France jusque là, on a quand même fait pas mal de routes hein. Et là, alors il y a eu un bouchon d'au moins 2 heures, 1h30, 2 heures entre Bologne et Parme et franchement c'était vraiment n'importe quoi. Juste à cause d'un rétrécissement de route, le bouchon il a pris genre 2 km. Et on a attendu environ 2 heures. C'est franchement n'importe quoi. Et attention les gens qui par exemple qui partent en Italie ou par exemple qui passent par l'Italie pour aller à un autre pays. L'essence sont les plus chères d'Europe. Non mais sérieusement, par exemple le gasoil, vous savez il coûte combien? Il coûte 1,66 le litre. Et pour remplir genre on va dire 55 litres, parce que là on a fait le plein, eh bien ça a coûté 82 € à peu près. À peu près 80 €. Mais c'est beaucoup trop. Franchement, il faut éviter de faire le plein ici, sauf si vous êtes obligé par exemple de faire beaucoup de kilomètres. Bon, merci d'avoir regardé. On se retrouve tout à l'heure pour la suite.